Alors voilà la X-Lite Pro. Alors on la reçoit dans la caisse, c'est la même caisse que la X-Lite. On la reçoit donc avec la notice, des vis, des petits plugs pour cacher les vis à l'arrière. Et moi je l'ai reçu avec des batteries, mais je pense que c'est uniquement en Chine, parce que c'est vraiment une grosse galère d'envoyer des batteries en Europe. Sinon, donc les gimbals, deux sticks à gauche, deux sticks à droite, des potentiomètres, je sais pas comment ça s'appelle. Et donc à l'arrière, la baie pour connecter le module R9 Lite. Alors, gros topic, hein, les modules, pour l'instant, j'en parlerai juste après. Voilà, donc pour la démarrer, on reste appuyé. Donc là, elle parle en anglais parce que j'ai déjà mis la petite carte SD avec la voix à l'intérieur. Tac, tac, tac. Voilà, là c'est le premier problème actuellement sur la X-Lite Pro, c'est que de base, ça met l'antenne externe. Et ça n'utilise pas l'antenne interne. Donc pour ça, il faut aller dans Set, désactiver, entrer. Et là maintenant, on devrait être tranquille. Donc comme vous pouvez voir, la X-Lite Pro embarque déjà la version OpenText 2.3.0 remasterisée par FreeSky. Qu'est-ce que ça veut dire en clair? C'est que elle utilise déjà le nouveau protocole FreeSky Access et non plus l'ancien protocole ACCST, je sais pas trop comment ça se prononce, je suis même plus sûr du nom. Donc en gros, il va falloir obligatoirement faire l'update Access de tous vos modules et de tous vos récepteurs pour pouvoir vous servir de la X-Lite Pro. Sauf que ils sont pas encore disponibles. Ils devraient arriver très prochainement d'après FreeSky. Mais rien n'est annoncé encore, il n'y a pas de date officielle. Donc en clair, ça veut dire que la X-Lite Pro, aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous en servir. Vous pouvez juste faire du simulateur avec. Donc sinon, autre point intéressant, c'est qu'on va aller voir les modules externes. Donc au niveau des modules externes, ce qui est disponible, c'est PPM, ISRM, DSM2, R9MA, donc je sais pas ce que ça veut dire exactement. Est-ce que le R9M Full Size maintenant est désormais compatible avec la X-Lite Pro? Vous savez, en l'adaptant avec ce genre de connecteur, donc on plug dessus le R9M et qu'on vient plugger à l'arrière, et du coup on aurait le module R9M Full Size qui fait du 1 watt, parce que le R9M Lite lui va jusque 100 mW max. Ensuite, on a le R9M Lite, mais qui n'est pas compatible, hein, j'ai déjà essayé, il n'est pas compatible, comme il tourne sur l'ancien protocole. Pour qu'il soit compatible, il faudrait faire l'update Access, qui n'est pas disponible donc. Ensuite, le R9MP. Donc le R9MP, j'imagine que le P signifie professionnel, correspondrait peut-être au R9M Lite professionnel qui a été annoncé par FreeSky, mais pas de date. Alors moi, ils m'ont dit que ça serait fin mai, mais rien d'officiel, donc à voir. Donc la différence entre le Lite Pro et le Lite normal, c'est que le Lite Pro, lui, irait jusque 1 watt, à l'inverse du Lite qui va jusque 100 mW. Et donc là, S-Bus, plus rien, donc pas de module Crossfire. Pour ça, il va falloir attendre la release OpenText 2.3.0 non remasterisée par FreeSky pour pouvoir adapter un module Crossfire. Donc voilà, sinon le micro USB qui est très très pratique, qui est beaucoup moins fragile que le mini USB, et donc pour faire du simulateur ça sera largement mieux, ça sera beaucoup plus pratique. Et en plus de ça, vous pouvez recharger votre X-Lite Pro directement lorsque vous jouez. Donc vous pouvez faire du simulateur, faire 200 heures de simulateur et ensuite partir directement, et vos batteries seront pleines. Donc ça, c'est quand même un très très gros point positif. Sinon, alors moi je viens de la QX7, la Taranis QX7, et je suis pas en mode pouce, je suis pas en mode pincé, je suis en mode hybride, c'est-à-dire j'ai le pouce au-dessus et j'ai l'index qui maintient derrière. Et j'avais très peur de la X-Lite pour sa prise en main, et en fait j'étais extrêmement surpris. Alors sur les groupes Facebook, ils disaient oui, il n'y a pas de problème, si tu pinches ça va bien se passer. Il y a un petit temps d'adaptation parce que les fins de course sont beaucoup plus courts, mais en réduisant les rights, pas de problème. Et sinon la prise en main est top, même si tu pinches ou même si tu es hybride. Et je dois dire que c'est vrai, la prise en main est vraiment top, pas de problème, c'est tout petit, ça tient bien en main.
Limite, il n'y a pas besoin. Moi, j'ai l'habitude de voler avec le collier, là, je sais pas comment ça s'appelle, mais la porter autour du cou. Parce que je me sens plus safe comme ça, elle est maintenue et du coup je me sens plus libre de mes mouvements. Et je dois dire que là, comme elle est super légère, qu'elle se tient bien en main, eh ben il n'y a pas de problème. Limite, on n'a pas besoin de l'avoir autour du cou. Alors oui, moi j'ai les N-Stick STP, mais ça avait l'air d'être pas mal même avec les N-Stick fournis de base. Le mieux c'est quand même, si vous pinchez apparemment, de rallonger un peu les sticks pour qu'ils soient un peu plus longs. Quand je l'ai reçu, ouais, bah, j'étais, je pense, un des premiers à la recevoir. Comme bah, depuis Shanghai, je l'avais pre-order sur Taobao, c'est le genre de eBay chinois. Et je l'ai reçu fin avril. Et moi, je l'ai reçu en mode, je sais pas comment ça s'appelle, je sais plus quel mode, mais en gros, les deux sticks étaient au milieu et le stick de gauche, à chaque fois, quand je le baissais, il revenait au centre. Donc j'ai dû l'ouvrir. Elle s'ouvre exactement de la même manière que la X-Lite normale. J'ai dû l'ouvrir pour enlever le ressort et ensuite la faire passer en mode 1. Donc, ou mode 2, enfin, pour rien à foutre. Et donc voilà. Donc voilà, pour moi, la X-Lite Pro est quand même très correcte, bonne finition, très bien pour le prix. Le seul problème, c'est qu'actuellement, on ne peut pas s'en servir. Pourquoi ils ont sorti la X-Lite Pro avant d'avoir mis des mises à jour? Il y a déjà des receveurs qui sont à jour. Mais je crois pas que ces receveurs-là soient très utilisés dans la communauté FPV. Moi, je trouve pas ça top en termes stratégiques. J'aurais préféré attendre un peu plus, mais que tout soit opérationnel lors de la sortie de X-Lite Pro. Mais en soi, la X-Lite Pro reste quand même une bonne radio commande.